Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter de l'adaptation de la relation de travail par le droit négocié. En clair, qui sont les partenaires sociaux et à quel niveau négocient-ils? Les partenaires sociaux sont les acteurs de la négociation sociale. Ils défendent les intérêts des salariés auprès du patronat et des représentants du patronat. Ils sont organisés en syndicats. La négociation collective a lieu entre un employeur et un groupement d'employeurs d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs d'autre part. Les syndicats doivent prouver leur représentativité en remplissant les critères suivants. Le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté de 2 ans dans le champ professionnel ou géographique concerné, un effectif d'adhérents suffisant, et la mesure de l'audience en fonction des suffrages des élections précédentes. Il existe de très nombreux syndicats professionnels, mais aujourd'hui, seuls 5 ont une représentativité suffisante pour négocier au niveau national. Il faut qu'ils aient atteint au moins 8% des suffrages aux élections professionnelles. Il s'agit en 2017 et pour 4 ans de la CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail, la CGT, la Confédération Générale du Travail, la CGT-FO, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, la CFE-CGC, la Confédération Française de l'Encadrement, Confédération Générale des Cadres, et enfin la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. L'intérêt de la négociation collective pour les salariés est d'améliorer les dispositions du Code du Travail. Elle permet également d'anticiper les difficultés éventuelles ou de résoudre les conflits par le dialogue entre les représentants salariés et les groupements d'employeurs. Contrairement à la loi, jugée parfois trop rigoureuse, la négociation collective permet de s'adapter plus aisément aux réalités économiques et sociales du monde professionnel. Elle permet d'aboutir à une convention collective ou à un accord collectif. La convention collective porte sur l'ensemble des matières concernant les conditions d'emploi des salariés, du contenu des formations professionnelles et des garanties sociales. L'accord collectif, lui, aborde un ou plusieurs de ces sujets. Voyons maintenant quels sont les différents niveaux de négociation. On distingue en effet 3 niveaux. Le niveau de l'entreprise, celui de la branche et enfin le niveau national. Pour l'entreprise, on parle d'accord collectif d'entreprise. Au niveau d'une branche professionnelle, c'est un accord collectif de branche. Et enfin, au niveau national, c'est un accord national interprofessionnel. Le principe veut que chaque accord collectif ne peut s'appliquer que dans le champ territorial ou professionnel correspondant au niveau où il a été négocié. Ainsi, un accord signé au niveau de la branche hôtellerie et restauration ne pourra s'appliquer qu'aux entreprises signataires et aux entreprises ou membres de l'organisation patronale signataire. Ce principe connaît des exceptions avec l'extension ou l'élargissement de la convention ou de l'accord collectif. L'extension va permettre d'étendre l'accord ou la convention aux entreprises de la branche concernée, qu'elles soient adhérentes ou non à une organisation patronale signataire. L'élargissement, lui, rend obligatoire une convention ou un accord dans un secteur géographique ou dans une autre branche professionnelle, alors qu'il y a impossibilité de conclure un accord ou une convention suite à des carences ou à une absence d'organisation syndicale. Un dernier point reste à éclaircir, la place de la négociation collective par rapport aux autres règles du droit. Observons ce qu'on appelle en droit la pyramide des normes. En vertu du principe de l'égalité, les conventions et accords collectifs, situés en bas, doivent se conformer à l'ensemble des règles en vigueur, ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes. Autrement dit, les conventions et accords sont soumis aux règlements, qui sont soumis aux lois, qui, elles, sont soumises à la Constitution. Néanmoins, une jurisprudence constante de la Cour de cassation a instauré le principe de faveur, qui prévoit qu'en cas de conflit entre plusieurs sources de droit, c'est la source la plus favorable aux salariés qui s'applique. Attention, exception dans l'exception, la loi du 4 mai 2004, dite loi Fillon, a remis en cause le principe de faveur, en permettant aux accords collectifs d'entreprise de déroger dans un sens moins favorable à une convention ou accord de rang supérieur. Par exemple, des accords collectifs peuvent fixer le taux de rémunération des heures supplémentaires à un minimum de 10%. Certaines règles ne sont cependant pas impactées par la loi Fillon. Pas de dérogation sur les salaires minimums,
les classifications des emplois, les garanties collectives de protection sociale et le financement de la formation professionnelle. Dans ces cas, l'accord de branche, plus favorable, reste applicable. Le droit négocié est en perpétuelle évolution, et les récentes lois travail et loi travail 2 des ministres El Khomri et Pénicaud contiennent des réformes visant une flexibilisation du marché du travail. La place de la négociation collective au sein des autres normes est toujours en débat. Toute la problématique tourne autour d'un potentiel affaiblissement du pouvoir de négociation des partenaires sociaux au profit d'une négociation plus rapide et directe entre salariés et patrons. Mais cette solution, plus pragmatique face aux enjeux économiques auxquels font face les entreprises, pose une autre question. Les salariés sont-ils alors véritablement à même de défendre leurs propres intérêts face à leur employeur? Rappelez-vous l'essentiel, les enjeux de la négociation collective, les syndicats représentatifs, les accords et conventions collectives, et le principe de faveur. Bonne révision à tous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.